tous, David pour Wii à FPV. Aujourd'hui un petit unboxing et overview de d'une caméra FPV, la Runcam Swift 2. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que Runcam Swift c'est l'une de mes caméras FPV préférées et j'avais envie de faire cette petite upgrade en deux pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc on commence tout de suite l'unboxing avec l'ouverture de cette petite boîte qui est très sympa, comme d'habitude chez Runcam. Ils nous font des jolies boîtes qu'on peut recycler facilement. Hop, à l'intérieur de cette boîte, on a la caméra en elle-même, hop, un boîtier supplémentaire, mousse, s'en fiche, de la doc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis, on s'en fiche. Ensuite, nous avons un petit boîtier avec plein de petites choses dedans, hop. On a à l'intérieur de ce petit boîtier un petit sac. Et à l'intérieur du sac, nous avons... Alors... Ah, super, voilà. Le petit support en métal. Pour ceux qui n'ont pas de support directement en carbone sur leur quad, vous pouvez utiliser ce petit support en métal pour monter votre caméra dans votre quad. La petite télécommande qui va vous permettre de régler votre caméra et de régler les quelques infos de l'OSD. Ensuite de la visserie, alors plein de petites vis, y compris des petits boulons. Ça c'est plutôt un truc sympa parce que on n'utilise jamais tout ce qu'il y a là-dedans et ça fait du super et c'est très bien. Ensuite nous avons une petite rallonge pour la télécommande qui est très très sympa, on va en parler, on va y revenir dans quelques minutes. Ensuite nous avons deux câbles pour connecter la caméra, les deux en silicone, donc du bon matériel, et vous verrez qu'il n'y a pas le même nombre de câbles, et pour cause, on va voir ça juste après. Alors, on attaque tout de suite avec les boîtiers. Il y a évidemment le premier boîtier qu'on connaît tous, qui a deux vis sur les côtés, qui va vous permettre de régler votre tilt et de le fixer en mettant une deuxième petite vis ici. Si on regarde par exemple le support caméra pour bien se rendre compte, voilà, hop là. Donc on a la première vis qui est là, et la deuxième qui va vous permettre de, en vissant ici, on va pouvoir fixer son tilt caméra. Donc ça, c'est du standard. Les anciens boîtiers en spare, il n'y avait qu'une seule vis au milieu. Ils en ont rajouté une en haut, une en bas. C'est plutôt sympa. Le boîtier existe aussi en orange, si c'est une couleur qui vous sied plus. À vous de voir. Ensuite, nous avons devant la lentille, alors c'est livré avec au choix une des trois lentilles suivantes, donc soit la 2.5 comme celle-là qui a un FOV de 130, soit la 2.3 qui a un FOV de 150, soit la 2.1 qui a un FOV de 165. Donc au choix, très belle petite chose, ils mettent la taille de la lentille sur la lentille, ce qui est quand même sympa quand on les change, on sait exactement ce que c'est. On a ensuite deux connecteurs à l'arrière, donc ça c'est aussi un des trucs que j'aime chez Runcam, chez Fuxir, sur la plupart des cams, vous avez un seul connecteur, et du coup c'est vite pas très agréable de brancher sa télécommande pour régler sa caméra. En l'occurrence donc deux connecteurs, un premier où vous pouvez mettre votre petite rallonge ou directement votre télécommande comme vous voulez. La petite rallonge, l'idée c'est de la brancher et de la laisser brancher. Et une fois qu'elle est branchée dans le quad, vous pouvez laisser ce connecteur là à un endroit accessible, et du coup vous pourrez à n'importe quel moment en session brancher votre télécommande et aller changer vos options sur le terrain facilement sans avoir à tout démonter. Donc ça c'est plutôt intelligent, c'est rien, hein, c'est un petit câble avec deux connecteurs, mais ça simplifie vraiment vraiment la vie et je trouve ça vraiment très très bien. Ok, ensuite nous avons deux types de câbles. Alors pourquoi deux types de câbles, il n'y a pas le... enfin deux types de connecteurs, hop. Je vous mets les deux en parallèle pour que vous puissiez voir, clac clac clac, il y en a un qui a un peu plus de câbles que l'autre. Alors, le premier, si on suit la connexion sur la caméra, on a le plus, le moins, le signal vidéo, de l'audio et le VBAT. Et donc vous avez le même nombre de câbles ici, sur ce connecteur-là, et sur ce connecteur-là, il n'y a pas la fin, l'audio et le VBAT. Voilà, mais vous avez par contre le plus, le moins et le signal. Donc suivant ce que vous voulez faire, vous utilisez le câble qui vous convient. Ça évite d'avoir des câbles qui se baladent dans le quad pour rien. Et ça aussi, c'est une belle idée de Runcam.
très intéressant. Pour ce qui est du VBAT, si vous mettez votre sortie VBAT de FC par exemple ou le plus de la LiPo directement là, vous aurez dans l'OSD de la caméra le voltage de votre LiPo, bien que à mon sens c'est plus intéressant d'avoir la consommation de courant, enfin en tout cas le courant consommé depuis qu'on a branché la LiPo plutôt que le voltage, parce que le voltage quand vous allez mettre des gros coups de gaz il va descendre, puis il va remonter, puis il va redescendre, puis il va remonter. La consommation de courant, vous savez que si vous avez une 1003 par exemple, quand vous arrivez à 1000 il faut aller vous poser et puis voilà. Pour moi c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus simple de rentrer avec des LiPo qui ont tous le même voltage quand on arrive chez soi en regardant ça plutôt qu'en regardant le voltage, mais bon c'est une autre histoire. Le plus et le moins de la caméra, si vous branchez pas ce VBAT, pour l'OSD de la caméra il va aller chercher le plus qu'il y a là-bas, a priori il sera sûrement filtré par des choses, donc du coup vous aurez une lecture un peu moins précise. Vous avez un petit micro ici donc qui est pas à l'avant, donc ça c'est plutôt bien, du coup il va un peu moins prendre le son du vent. Par contre, vous aurez votre son de moteur, et si vous utilisez le câble qui va bien avec, et que vous branchez ça sur un VTX qui peut véhiculer l'audio, et bien vous aurez l'audio dans vos lunettes, enfin dans votre récepteur, et vous pourrez entendre vos moteurs de façon précise quand vous allez voler. Donc ça, c'est plutôt malin aussi. Voilà, on va faire un petit tour du menu juste après. Quand même, avant de parler du menu, est-ce qu'il faut upgrader sur cette Swift 2 qui a, en passant, une image vraiment très très chouette et des réglages par défaut qui sont juste ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut upgrader? Alors, si vous avez autre chose que de la Rubicon Swift 1, je dirais oui. Clairement, si vous avez par exemple une 1177, vous allez vraiment aimer ça. Les couleurs sont, à mon sens, beaucoup plus belles. La gestion de la lumière est vraiment mieux faite. C'est facile avec ça d'avoir une belle image dans des conditions normales et dans des conditions un peu moins normales, lumière basse, etc. Donc oui, clairement, si vous avez déjà une Swift 1, est-ce que ça vaut le coup de passer en Swift 2? En termes d'image, il y a un peu de mieux, mais c'est pas tellement ça qui fait la différence. Hein. Le micro, c'est une grosse différence. Donc si vous aimez voler avec le son des moteurs, oui, il faudra passer en 2. Sinon, c'est pas obligatoire. Très franchement, c'est une bonne caméra, mais si vous avez déjà la bonne caméra, la petite sœur, voilà, vous pouvez économiser quelques euros avec ça. Par contre, si vous achetez une nouvelle cam ou vous upgradez une autre cam, je vous conseille fortement celle-là. Elle est vraiment très très bien. Ok, on va passer à l'OSD de la caméra. Alors, juste un tour rapide pour vous montrer les 2-3 changements et pas la totalité du truc. Ok, on se retrouve avec la caméra branchée. Donc la télécommande, vous voyez, je l'ai branchée sur la petite rallonge. Elle est ici, elle se tient dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, hein, même si on a tendance à plutôt la tenir comme ça pour tenir le câble. C'est bien écrit dessus. Bas et haut, et de toute façon on se rend vite compte en naviguant dans les menus que c'est de bon sens. Je vous mets l'OSD ici, enfin le DVR pardon, ici pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Alors, on va tout de suite rentrer dans le menu en cliquant, hop là, en restant appuyé sur la radio dans le bon sens. Sur le bouton du menu, on peut se balader là-dedans, tout ce qui est de plus standard. Je vous ai dit, les réglages par défaut sont vraiment super, donc ça ne sert à rien d'aller changer des choses, sauf si vous avez une envie très précise. Donc je sors de là. Ce que je voulais vous montrer, c'est appui long vers le haut. Hop, on a le menu qui va nous permettre de changer les paramètres de l'OSD. Donc c'est le nom du pilote que vous pouvez changer ici en vous baladant et en changeant le nom là, directement en tapant ce que vous voulez, en effaçant, etc. Vous pouvez aussi activer, désactiver le nom du pilote. Donc moi j'en ai pas hyper besoin parce que j'ai déjà ça sur mon OSD Betaflight. Le timer, le voltage, ça je ne sais absolument pas ce que c'est, la remise à zéro et l'exit. Donc vous définissez ici ce que vous voulez et vous pouvez y aller. Enfin, le deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est vous cliquez et restez cliqué à gauche et hop, le voltage change et vous pouvez aller déplacer cette valeur-là et la mettre où vous voulez. Vous recliquez une fois et hop, ça le fixe. Pareil pour le nom du pilote, c'est-à-dire ce qui est écrit Runcam là en bas. Vous restez appuyé long vers le bas. Voilà le Runcam que vous pouvez déplacer, que vous pouvez aller mettre où vous voulez. Hop, on va les mettre en haut à gauche, c'est super, voilà, hop, 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 et on appuie, ça reste, ça bouge plus. Hop, voilà.
Pareil pour le timer qui est en bas à droite, il suffit de faire un appui long vers le bas à droite et hop, et on peut décaler cette valeur-là et la mettre où on veut. Donc ça, c'est c'est les petits trucs sympas de l'OSD. Vraiment, ce qui est intéressant, évidemment, c'est la qualité de l'image, les petits plus comme ce petit truc-là, la gestion de la lumière qui est absolument extraordinaire. Enfin, extraordinaire, j'exagère peut-être un petit peu, mais qui est vraiment très très bien. Et voilà, tout le tas de câbles et d'accessoires très sympas qui arrivent. Juste pour vous montrer quand même, j'avais une Swift donc branchée sur ce quad-là. J'ai la première version, j'ai simplement débranché le câble et rebranché celui-là et tout fonctionne. J'ai évidemment pas le bon voltage parce que ma caméra est alimentée en 5 volts donc forcément c'est le voltage qui arrive ici que l'OSD affiche. Donc si je voulais avoir vraiment le bon voltage, il faudrait que je branche le VBAT en direct LiPo. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la Swift 2, très bonne petite caméra, je vous laisse sur cette note, on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres overviews, reviews, tutoriels, etc. C'était David pour We Are FPV et à très très bientôt sur la chaîne.